bon, pour moi c'est une première puisque j'étais voilà, c'est la première école de rugby finalement que je viens voir en fonctionnement. Je suis bien content, j'ai vu énormément de très belles choses. D'abord je vois toutes les catégories bien remplies en nombre de joueurs. Je vois beaucoup de sourires, beaucoup de rires, beaucoup de joie. Je vois des éducateurs en nombre aussi relativement bien répartis sur les catégories. J'ai appris qu'il y en avait beaucoup en formation aussi, qui avaient déjà fait de la formation ou qui allaient y rentrer. Donc voilà, je pense qu'on a tous les ingrédients pour petit à petit faire de ce club un club vraiment plein, comme on les appelle, c'est-à-dire qui s'éclate d'abord, qui prend du plaisir et qui forme des joueurs, des joueuses, vu beaucoup de filles aussi, voilà, et qui travaillent vraiment dans un très très bon état d'esprit, donc complètement satisfait. Je suis sur mon territoire, donc effectivement je connais un peu mieux l'école de rugby. C'est une école de rugby qui est en avance par rapport à la saison précédente sur sa mise en route. Donc on a déjà énormément de licenciés, comme l'a dit Frédéric, toutes les catégories sont en nombre, donc ça c'est intéressant, des éducateurs qu'on a l'habitude de retrouver en formation, donc c'est plutôt un bon départ. C'est une école de rugby qui fait sa journée sécurité ce soir aussi, donc le cadre technique du bassin, Philippe réunit les éducateurs du club pour faire l'action bien jouée en sécurité qui est une obligation de la fédérale. Donc on est sur un bon début de saison de ce club et maintenant il faut que le club, mais ils l'ont anticipé, se prépare aussi à ce petit plus que va nous amener la Coupe du Monde qui va peut-être nous amener dizaine ou une quinzaine de moins de bébés de plus, et déjà il y en a beaucoup. Ah, et déjà il y en a pas mal. Hein. Voilà, donc le club, ça va obliger le club aussi à continuer à bien se structurer, à aller chercher d'autres éducateurs, il faut aussi qu'il y ait des encadrants et des bénévoles qui les rejoignent.